Eh bien, merci à tous et à toutes d'être venus. On va officiellement lancer le Benchmark 2019 à Berlin. Je suis Philippe Catouche, je suis directeur du projet. Et puis, je vais te laisser te présenter, Soraya. Donc, moi, je suis Soraya Cabezon, je suis directrice des contenus à l'EBG. Voilà, donc pour ceux qui étaient avec nous l'année dernière à Barcelone et peut-être même certains étaient avec nous à Londres, vous avez pu constater l'évolution du projet maintenant qui a bien grandi, qui s'internationalise, mais surtout qui se renouvelle en termes de participants. Cela, pour certains, je pense que vous êtes quasiment aux trois quarts à découvrir le projet, le déplacement. N'hésitez pas à nous faire vos retours, c'est très très important pour nous pour pouvoir, parce qu'on commence déjà dès maintenant à penser à l'édition 2020. Donc, pour cette année, on a fait quoi? On a tout simplement, on est 850. Et bien sûr, il y a des personnes qui vont venir, repartir, etc. Mais globalement, on a 850 inscrits. Il y a quelques internationaux qui vont arriver dans la journée et demain et aussi ce soir pour la soirée. Donc, vous avez pu voir, vous êtes peut-être monté dans des avions. On en avait deux, il y a deux hôtels. Voilà, donc on a entendu quelques chiffres qui flottaient par-ci, par-là. On préfère au moins donner les vrais chiffres, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous avez au floor, juste en dessous, et même aussi ici, vous avez des partenaires sans qui l'événement ne pourrait pas avoir lieu. Ils sont au nombre de 75. On circonscrit volontairement ce nombre pour pouvoir vous permettre de vous rencontrer tout simplement et de vous laisser le temps d'organiser votre emploi du temps comme il le faut. Eh bien, vous allez pouvoir réaliser des one-to-one meetings. Vous en avez déjà organisé, vous allez en faire toute la journée. Et ça, on espère qu'ils vous seront profitables. On estime, je pense qu'on va en faire facilement 3500, mais à ce jour, à cette heure-ci, pardon, on en est à environ à 3000. Et puis surtout, vous êtes peut-être chargé, ou en tout cas, vous l'avez peut-être laissé à l'hôtel, vous avez peut-être le yearbook, 550 pages, il a pris 100 pages depuis l'année dernière. On est à 22 chapitres. On a essayé de couvrir un spectre très très large d'un point de vue marketing, digital, data, social tout simplement. Mais n'hésitez pas, encore une fois, à nous donner des sujets. Nous, ça nous sert énormément. Alors, peut-être pas pour l'année prochaine, mais en tout cas pour les années suivantes, à savoir sur quel sujet on va travailler en particulier. Et puis, il y a une app. Je te laisse la présenter. Alors, pour que vous puissiez profiter un maximum de cet événement, la première chose à faire, c'est de télécharger l'application. Ceux qui ne l'ont pas fait, je vous laisse 30 secondes pour le faire. Vous allez sur l'App Store, le Play Store, et vous la téléchargez. C'est super important pour vous faire votre agenda des deux jours, vous inscrire au workshop auquel vous souhaitez participer, et surtout pour faire des rencontres. Parce que c'est pour cette raison qu'on a organisé cet événement, pour que vous puissiez rencontrer nos partenaires, mais également pour que vous puissiez vous rencontrer vous-même, entre pairs. Et donc, on vous invite fortement, du coup, à aller consulter l'application, à ne pas laisser les rendez-vous en suspens, vous les acceptez ou les refusez, mais en fait, on vous invite à donner une réponse à ces rendez-vous et à prendre l'initiative de proposer des rendez-vous, des rencontres avec nos partenaires et aussi avec vos pairs. Si vous avez des questions par rapport à l'app, on a deux membres de la team Swapcard qui sont juste en dessous, enfin à l'étage en dessous. N'hésitez pas à venir les voir ou à nous demander, on vous mettra en relation et ils pourront répondre à vos questions directement. Et enfin, comme l'a dit Philippe, donc, on vous accueille ici avec nos 75 partenaires qu'on a choisis grâce à la diversité de leur expertise. On a également nos partenaires conseils, c'est avec eux que nous avons travaillé sur le yearbook, les 550 pages que nous vous avons remis et les 22 chapitres. Donc chaque chapitre a été travaillé avec un cabinet de conseils experts sur le sujet et donc on les remercie chaleureusement, ces 75 partenaires, de nous accompagner sur l'événement et on espère que vous irez à leur rencontre. Et puis on terminera juste avec un point aussi pour remercier les membres du Steering Committee. C'est des personnalités que l'on connaît depuis de nombreuses années pour certains, qui nous ont aidés pour formaliser des titres, pour avoir quelques idées pour pouvoir vous aider à vous rencontrer ou à faire que l'événement soit vraiment plus unique. Et on tient très chaleureusement à les remercier. N'hésitez pas à les contacter, ils sont dans le programme. Il y a une page qui leur est dédiée. Si vous voulez les contacter pour savoir ce qu'ils font et pourquoi pas vous mettre en relation avec d'autres personnes qui ont des projets proches des vôtres, n'hésitez pas à les contacter. Et certains parlent également sur des tables rondes, donc on est ravis de les accueillir également sur les tables rondes. Exactement.